retrouve pour le petit tirage énergétique avec les fleurs de Bac pour le mois de mars, la première semaine du mois de mars, du 1 au 7, pour avoir un petit message, une guidance pour nous inspirer. Alors, quelle fleur va nous accompagner ? Celle-ci qui est la verveine, oui, la fleur de l'enthousiasme. Moi j'aime beaucoup l'odeur de la verveine, je suis méga fan. Alors peut-être que alors je sais pas cette semaine si peut-être vous êtes dans un projet ou quelque chose qui vous tient très à cœur au point de vouloir le partager aux autres, de partager vos convictions, votre enthousiasme. Et l'idée quand on est en verveine déséquilibrée, c'est que on est dans l'excès, hein. En fait, c'est comme si voilà, on avait ce feu intérieur qui était animé et souvent pour une juste cause, et que voilà, on veut à tout prix transmettre tout ce que l'on sait avec altruisme pour le bien des autres, mais d'une manière un petit peu trop autoritaire, voire parfois tyrannique, parce que on veut convaincre, on veut voilà trouver des adhérents, on est un peu voilà dans une démarche de missionnaire. Et donc c'est tout à notre honneur, hein, parce qu'on est voilà dans l'altruisme, comme je disais, mais en excès. Donc c'est la plante de la modération, de la pondération, pour nous permettre d'avoir un petit peu plus de tolérance vis-à-vis des autres, et principalement de ceux qui ne partagent pas les mêmes idées, pensées, croyances, convictions que nous, et donc d'accorder un petit peu plus d'espace, d'expression à l'autre, pour que nous ne devenions pas en fait exaspérants. Parce que c'est ça, en fait, d'être voilà, d'être dans ce trop, déjà, ben nous-mêmes, on va s'épuiser, hein, physiquement et psychologiquement. Et on peut même être irrité ou désagréable parce que les choses n'avancent pas à notre rythme ou comme on le souhaite. Et donc, on va diffuser un message qui nous tient à cœur, mais on va peut-être manquer de diplomatie ou d'habilité. Parce que en fait on est des passionnés et on est convaincus, hein, mais l'idée aussi c'est de ne pas être fermé dans ses pensées, mais d'être voilà, dans cette ouverture, dans cette tolérance, pour ben, que déjà ben, le message qui nous tient à cœur ou nos actions que nous faisons soit en fait accueilli et non un petit peu rejeté. Parce que si vous avez quelqu'un qui est face à vous et qui vous parle de façon autoritaire, ça peut que braquer en fait. Donc voilà la verveine. La verveine, c'est pour apporter de la modération dans voilà son excès d'enthousiasme. Ouais, voilà ce que je pourrais dire sur cette jolie fleur. Je vous remercie et puis je vous dis donc à la semaine prochaine pour un prochain tirage énergétique avec les fleurs de Bac.